Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Bullet Journal. Vous savez à quel point je suis accro à fond mon Bullet Journal, donc si tu kiffes les vidéos Bullet Journal, n'hésite pas à liker et dis-moi dans les commentaires si toi tu as un Bullet Journal parce que vraiment ça m'intéresse. Bon, avant de parler du mois de juillet, voyons voir ce qui s'est passé du coup durant mon mois de juin. Comme vous le voyez, mon mois de juin était plutôt vert, estival. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui m'a inspiré. Donc j'ai collé pas mal de stickers feuilles, entre guillemets, hein. Et j'ai utilisé tous les verts possibles que j'avais dans mon pot à crayon. Et clairement, j'adore ce mois ever avec le rose, j'adore. J'ai fait un nouveau style aussi pour mon habit tracker que je vais reporter du coup pour mon mois de juillet. Et pour mon mood tracker, c'est pareil. J'ai rajouté une espèce de petite bande, du coup je peux mettre et la couleur et un mot pour redire ce qui s'est passé durant ma journée. Ensuite, vous avez mes daily, c'est vraiment pour vous donner des idées. Là, c'est la page vraiment quand je suis partie en vacances pour faire un petit peu ma valise. Vous savez que moi, j'adore faire ma valise à l'écrit. Et ensuite, comme vous voyez, j'adore faire mon juin memories et j'ai rajouté un petit peu les playlists que j'adore, les chansons que j'aime bien en ce moment. J'ai refait aussi mon future log parce que du coup, les 6 premiers mois de l'année sont écoulés. Donc, on refait pour les 6 derniers mois. On passe maintenant au mois de juillet et là j'ai vraiment fait quelque chose de plutôt estival à fond. Et si vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore les pastèques. Vraiment, j'en suis addict. Et cette petite pastèque kawaii, oh my god, n'est-elle pas trop mignonne? J'ai refait exactement le même principe pour mon habit tracker, j'ai vraiment rien changé parce que ça a bien marché pour le mois dernier. J'ai rajouté ma petite case important là-haut parce que du coup je rajoute ce qui est important. Ensuite les pages suivantes sont exactement les mêmes, mes idées vidéo et mon mood tracker. J'ai juste changé la barre parce que ça ne matchait pas trop avec ma petite pastèque. Ensuite, je vous montre ma première semaine, comment je l'ai préparée, comment je l'ai organisée. Vraiment quelque chose de très très simple, hein. Je ne me prends pas la tête. J'essaye juste de rester dans mon thème, comme d'habitude. Je rajoute mes petits to-do, c'est vraiment ce que j'ai à faire en priorité dans ma semaine. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !